Oui, allô, bonjour, c'est Cruxy. Je voudrais une grande frite, une vidéo trial comme d'hab. Et puis voilà. Et Trial Fusion aussi, si possible. Et oui, les gens, Trial Fusion, il arrive! C'est plutôt cool. On est, au moment où j'enregistre la vidéo, les gens, on est dimanche. Vous êtes, enfin, vous, nous sommes actuellement sur Trial Evolution, sur une piste, je pense, Ninja Level 2, puisqu'elle est assez longue quand même, enfin, vous verrez. Mais en tout cas, Trial Fusion, il arrive, les gens. Je ne sais pas si je vais l'avoir le jour de la sortie, le jour d'après, le jour d'avant, enfin, je ne sais pas du tout. Dès que je l'ai, en tout cas, je vous le confirme, je vous fais une série sur Trial Fusion que j'enregistre tout d'un coup, où je vais faire tout le jeu à la suite pour vous, que vous puissiez le découvrir, qu'on puisse le découvrir ensemble. Je vous posterai régulièrement les épisodes, pas tout d'un coup évidemment, sinon c'est puc. Je vous ferai également là tous les défis en live, enfin on les cherchera en vidéo, tout ça. Je sais pas encore si je vais faire un live et tout parce que Mako est dégueu, j'ai pas envie de gâcher le. Je sais pas, ça m'emmerde de gâcher le truc en étant en live avec une qualité dégueulasse. Enfin, je sais pas, je vais y réfléchir. Je vous ferai également le truc des écureuils. Et on va essayer de faire le classement, enfin tout ça, d'être bien classé, tout ça. Le sondage pour savoir si vous jouez sur One, sur PS4, sur PC et tout. J'ai regardé un petit peu les résultats, d'ailleurs, il faudrait que je re-regarde parce que là, ça fait 2 jours que j'ai pas regardé. Pour voir un petit peu où c'est que ça en est. Mais en tête, c'était le PC, je pense. Je crois. Mais à voir en tout cas. Moi, je le rappelle, pour info, je le prends sur One. Parce que c'est là où il y aura le plus de monde au final, parce que bah, tous les Amerlocs, il y a plus de Xbox vendus que de PS4 de toute façon. Enfin, je crois pas dire de bêtises, mais ça m'étonnerait pas vu que c'est Microsoft et que voilà. Bref. Donc je pense qu'il y aura plus de monde et je préfère aller vers là où il y a plus de monde. Et effectivement, il y aura sûrement, je ne sais pas encore, mais sur Trial.fr, Trial.fr, il y aura un classement peut-être qui regroupera toutes les plateformes. Je ne sais pas s'ils le mettront en place, je vais leur demander, je vais voir avec eux. Parce que moi, je ne suis pas dans le site, effectivement, pour ceux qui ne le savaient pas, mais je les connais, donc je peux toujours leur demander. Je ferai aussi des classements de Trial Evolution. Je vais m'y remettre, en fait. Je vais retourner sur Trial Evolution et je vais essayer de rebattre tous mes records que j'ai actuellement, parce que je sais que je peux le faire, parce que ça fait une éternité qu'ils ont déjà été faits, les records. Donc je pense que ça peut être cool, essayer de voir où c'est que je me situe maintenant que ça fait longtemps que j'ai pas refait les classements, que j'ai pas tryhard les pistes et tout. Donc c'est à voir. Ensuite, donc ça c'est pour fini pour ce que je voulais vous dire sur Trial. C'était pas très long, mais c'était histoire de vous confirmer, enfin voilà, tout ça. Je mettrai en place, donc comme je disais, un genre de planning, enfin ouais, entre guillemets planning, pour histoire que les vidéos soient un petit peu tout le temps le même jour, que vous sachiez un petit peu quand c'est que ça sort. J'en parlerai tout ça sûrement dans la première vidéo que je vais faire. J'y réfléchirai, j'en parlerai sûrement dans la toute première vidéo Trial Fusion que je ferai. Comme ça au moins vous serez au courant. Je parlerai aussi sur Facebook, Twitter, donc pensez à me suivre, ce sera plus simple. Et ensuite je voulais parler de deux choses. La première chose qui est toute simple et pas longue à vous parler, enfin, voilà, c'est sur ma chaîne secondaire, je vous ai posté une vidéo quand j'étais à l'avant-première de Game of Thrones saison 4 au Grand Rex à Paris, où il y avait trois acteurs. Il y avait, je sais plus, il y avait, comment il s'appelle, Liane Cunningham, je crois, c'est Sœur Davos. Il y avait Maisie Williams qui joue donc Arya, et il y avait Sophie Turner qui joue Sansa. Donc il y avait les trois acteurs, j'ai filmé un tout petit peu, c'est histoire que vous puissiez voir, hein, c'est une petite vidéo qui dure 2 minutes, je crois, un truc comme ça. Donc allez voir si ça vous intéresse, comme ça au moins, je le mettrai peut-être dans la description si j'y pense, mais je pense que j'y penserai, comme ça au moins vous pourrez voir. Et ensuite, l'autre truc que je voulais vous dire vite fait, c'est au sujet du labyrinthe qui avance, les gens, j'en parle pas énormément, mais je le fais, ça avance. Il est en construction. Il y a sûrement IPR qui va. Bah, en fait, c'est sûr, je lui ai montré le serveur, je lui ai montré les trucs et tout, vu que je le connais maintenant. Très gentil au passage. on va voir ensemble, peut-être pour. Il va peut-être m'aider en fait pour faire en sorte que le labyrinthe puisse bouger. En tout cas, une partie du labyrinthe puisse être mouvant, enfin, que ça bouge genre toutes les minutes ou 2 minutes, histoire que ce soit super chaud. Et ensuite, bah, on organisera ce petit concours une fois que ce sera terminé. Je suis dessus, vous inquiétez pas, c'est normal là que dans 3 jours, je vous en reparle pas. Il faut le temps de le faire. Je pense que, honnêtement, je vais être très honnête avec vous, et c'est absolument pas de la prétention. J'ai regardé sur internet, j'ai regardé sur des serveurs, sur des forums, sur des trucs et tout. Je pense pas. En tout cas, à ma connaissance, j'ai pas vu de labyrinthe aussi grand que celui que je suis en train de vous faire là.
Donc voilà. Je veux pas vous spoil, je veux rien vous dire et tout, mais je pense qu'il faudra un long moment pour le terminer. C'est-à-dire que j'en avais fait un à l'époque, il fallait entre 20 et 30 minutes, je dirais, pour le finir. Certains mettaient 40 minutes et d'autres 15, ça dépend, mais en moyenne, voilà, c'était ça. Là, je pense que celui-là, vous en avez bien pour une heure, en moyenne, je pense. Donc, il y a moyen que ce soit costaud. Si on organise un petit concours dessus, c'est un serveur à 50 places. Donc, si je prends, je verrai comment on va faire avec. On le fera sûrement avec un live de Benoît, voir un petit peu comment on se dépatouille. Mais tirer, je sais pas, 30 personnes au hasard, je sais pas, sur un chat ou sur un. Enfin, répondre à des questions, un truc comme ça. Je verrai comment j'organise un petit peu tout ça avec l'aide de que ce soit Playfan, Benoît, enfin voilà. Et puis voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Donc là, j'étais pas en live sur la piste parce que j'ai essayé au moins 4 ou 5 fois d'enregistrer cette vidéo sur la piste en live, mais à chaque fois je coupais parce que j'étais concentré sur les obstacles et tout et c'était un peu chiant et je voulais pas que ça dure une éternité. Donc voilà, les amis, je vous laisse. Je vous laisse tout simplement et on se retrouve je pense pour ma prochaine vidéo sur Trial Fusion les amis. Bye bye, amusez-vous bien, bisous, ciao.